Alors que la police enquête sur le monstre d'Argenteuil et que les pistes se multiplient, doit-on s'attendre à ce que Benoît soit le tueur en série dans Demain nous appartient? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Voilà plusieurs jours qu'un tueur en série terrorise les héros de Demain nous appartient. Plus connu sous le nom du monstre d'Argenteuil, ce dernier s'en prend aux parents en conflit et a déjà fait de nombreuses victimes. A commencer par Benoît, Jean-Baptiste Monnier, le nouveau professeur d'Agnès Varda, dont les parents ont été les premiers à être assassinés par le serial killer. Par la suite, le tueur a fait 4 autres victimes dans les environs d'Argenteuil, dont les parents de Lisa, Naïma Rodrigue, et Amel, Maëlys Adal, puis 4 supplémentaires dans la région de Nantes entre 2013 et 2018. Aujourd'hui, c'est à 7 qu'il a décidé de continuer à tuer. Après une effraction au domicile de Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, le meurtre des Chassagnes et plus récemment une tentative d'homicide sur les Delcourt, le tueur en série n'a pas l'intention de s'arrêter là. D'ailleurs, il a déjà identifié ses prochaines cibles et a inscrit Alma, Camille de Pazzi, et Benjamin, Alexandre Varga, sur sa liste. Autant dire donc que leur avenir est plus que jamais incertain. Mais qui se cache derrière ce meurtrier impitoyable? Aaron Leclerc est-il le tueur? À ce stade de l'enquête, plusieurs pistes ont émergé. Si les équipes du commandant Constant, Franck Monsigny, ont d'abord soupçonné Bruno Paoletti, Kevin Lévy, le père de Nathan, Adé, puis Geoffrey Allard, le jardinier de plusieurs familles de victimes, les projecteurs se sont ensuite rapidement tournés vers Aaron Leclerc, Stanny Coppet. Il faut dire que le nouveau médecin de l'hôpital Saint-Clair apparaît comme étant le dénominateur commun entre le meurtre des Chassagnes, l'effraction au domicile des Thiemen Renault et la tentative d'homicide des Delcourt. Faut-il alors croire qu'Aaron Leclerc est vraiment le tueur en série que la police recherche? Comme souvent, les apparences sont trompeuses et la réponse est bien entendu non. Non seulement son ADN ne correspond pas à celui relevé sur la scène de crime des Chassagnes, mais le médecin était de plus au téléphone avec son père au moment de la tentative de meurtre d'Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin. De quoi l'écarter pour de bon de la liste des suspects dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1. Si Aaron est innocent, un autre personnage vient de faire son arrivée dans Demain nous appartient et coche lui aussi toutes les cases du parfait tueur. Benoît Letellier est le monstre d'Argenteuil finalement, nous n'avons que très peu d'informations à propos de Benoît jusque-là. Ainsi que nous le rappelions plus haut, nous savons que ses parents ont été les premières victimes du monstre d'Argenteuil il y a une quinzaine d'années. Nous savons aussi que Benoît a vécu plus de 2 ans à Narbonne avant d'arriver à Sète pour effectuer un remplacement au lycée Agnès Varda. Sous ces airs d'homme timide et sans histoire, pourrait bien se cacher en réalité un tueur en série impitoyable. De plus, de nombreux téléspectateurs pensent avoir reconnu les yeux bleus de Benoît sous la cagoule du tueur. Et puis, sa grande carrure correspond parfaitement à la description faite par Sarah de son agresseur. N'oublions pas non plus que Benoît se trouve toujours sur les lieux où éclatent des disputes de couple. En effet, le professeur de SVT était présent à l'hôpital lorsque le docteur Leclerc a accusé Chloé et Alex de négligence sur Céleste. Benoît était également invité au pot de départ d'Alma. Une soirée au cours de laquelle la professeure d'anglais et son compagnon avaient fait état de leur désaccord sur la question d'avoir un enfant. Dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1,
Benoît assistera à une nouvelle dispute du couple sur le sujet près du lycée d'Agnès Varda. Sachant que le tueur en série a ciblé Alma et Benjamin et que Benoît se rendra chez sa collègue peu de temps avant qu'elle ne soit agressée, il ne fait désormais presque plus aucun doute que Benoît Letellier est le tueur en série. Enfin, les synopsis officiels dévoilés par TF1 tendent également à conforter cette théorie. Tandis que Benoît sera arrêté par la police, il sera prêt à tout pour s'évader et pourrait bien pousser Lisa à commettre l'irréparable. Benoît est-il le monstre d'Argenteuil ou bien un copycat? Pourquoi est-il devenu un tueur en série? La suite de Demain nous appartient s'annonce décidément plus haletante que jamais.